Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc je suis désolée pour ma petite absence sur YouTube. Voilà, en fait j'étais dans les montages de vidéos et tout ça, donc il y en a qui vont sortir après. Donc voilà, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais vous faire mes favoris du moment. Donc il y aura surtout de la beauté, enfin et un truc de déco. Voilà, mais il y a surtout de la beauté, donc il n'y a pas beaucoup de choses, mais c'est des choses que je voulais vraiment vous montrer, des choses que je voulais vraiment vous parler, parce que c'est des choses que j'aime énormément. Lol, c'est mes favoris. Donc voilà, c'est obligé. Donc j'espère que la vidéo plaire et moi je vous laisse avec la suite. C'est le seul truc de déco que j'ai à vous montrer. Donc en fait c'est un cadre que moi j'ai fait. En fait c'est un cadre tout simple. Voilà, il y avait juste du carton fond, enfin il n'y avait rien de spécial. Et je vais vous montrer pour que vous voyez. Voilà, donc c'est moi qui ai fait. Voilà. Donc en fait si vous voulez j'ai mis du papier papier craft sur le fond. Donc un peu de Noël, automne et tout ça, mais bon ça se change. Donc voilà, pour toutes les saisons ça se change. Donc voilà, et j'ai mis quelques photos, enfin j'ai mis une photo de mes deux sœurs et de ma cousine et de moi, donc qui est celle du milieu, logique, voilà. Donc là c'est une photo que j'avais eue avec mes nounours teddy bear, là que je vous ai montré. Et ça donc c'est l'enveloppe que j'ai eue avec le teddy bear aussi. Je trouvais ça assez mignon, donc bah voilà. Pour l'instant il est sur mon radiateur parce que j'ai pas eu l'occasion de l'accrocher encore. Donc maintenant on va passer à la partie beauté. Voilà, c'est le seul truc que j'ai. Enfin c'est tout ce que j'ai à vous montrer en fait. Donc on va commencer par cette petite pochette donc, que ma soeur m'avait donnée en fait. Je l'avais eu à Noël l'année dernière, voilà. Et ma soeur avait eu la même, sauf qu'en fait moi, donc ma grande soeur Lisa, donc j'avais eu la même pochette donc que ça, et en fait je la trouvais plus et voilà. Et donc elle me l'a donnée, voilà. On me l'a donnée comme ça, je l'ai pas demandé en fait. Voilà, donc c'est une petite pochette où on peut ranger plein de trucs, et enfin petite, on va dire ça comme ça. Elle est vraiment très grande et dedans elle m'avait mis ça, mais j'ai pas compris genre. Ça c'est un chouchou, mais voilà je sais, enfin. Pas trop m'en servir, enfin si quand je fais mes masques et tout je m'en sers. Et ça j'ai pas compris ce que c'était, donc voilà. Alors ensuite donc on va passer à une brume, donc pareil ma soeur m'a donné, donc c'est une brume comme ça et franchement je suis trop amoureuse, c'est trop bien. Enfin c'est de la marque Body Success, donc je sais pas si vous connaissez mais moi je connais de toute façon, voilà. Donc c'est une brume, enfin c'est une eau toilette en fait, mais j'appelle ça une brume. Donc c'est au jasmin rose et franchement elles sont mais tellement bon, c'est un truc de malade. Voilà, j'en ai sur moi, j'en ai mis dans mes cheveux, j'en ai mis sur mon corps et tout, enfin je trouve que ça sent super bon, j'allais vous faire sentir mais non c'est pas possible, voilà. Je trouve ça sent trop bon, en plus c'est de la bonne marque et tout, et bah il reste quand même pas mal donc c'est cool. Alors ensuite donc on va passer à un autre truc, toujours ma soeur m'a donné. Merci beaucoup. Donc en fait c'est un truc que j'aime trop. Donc c'est un lait pour le corps. Franchement je fais la collection des laits pour le corps. Je sais pas combien j'en ai. Sérieux, enfin voilà, je m'en sers pas tous bien sûr. Voilà, parce que je mets presque pas souvent du lait pour le corps. Mais quand j'en mets, bah voilà, j'aime bien en mettre souvent. Enfin pas souvent mais des fois. Voilà. Donc c'est de chez Nocibé comme ça. Donc c'est les délices de Nocibé. Et c'est au macaron framboise. Voilà. Donc à chaque fois j'essaierai de vous faire des close-up, je vous les mettrai genre ici, ou ici, ou ici, ou ici. Enfin je sais pas, je vous les mettrai dans l'écran. Donc moi je vais me décaler parce que si je les mets là, voilà. Donc c'est les délices de Nocibé et franchement, j'aime trop, ça sent tellement bon. Donc voilà, je trouve ça trop cute comment on ouvre. Voilà, par contre il faut faire très grave parce que c'est super liquide. Oh j'aime trop. Oh mon dieu. J'ai moi mis là. Donc voilà, franchement, bah, de toute façon, c'est Nocibé, vous pouvez en trouver bah, à Nocibé de toute façon. Et enfin c'est super bien parce qu'il y a aussi des baumes à lèvres, je crois. Même ça, rien. Donc il y a des baumes à lèvres, des brumes, il y a des savons pour le bain, des trucs effervescents là. Enfin bref. Donc ensuite, donc c'était en. Non, c'était pas en Allemagne ça. Donc pendant les vacances j'ai acheté un produit comme ça parce qu'en fait je vous explique, j'avais un énorme bouton ici, voilà il est encore là, enfin je l'ai pété donc il sort plus trop, voilà ça
raconte ma life. Et donc j'avais un produit pour les boutons, mais chez moi. Voilà, donc j'étais en vacances, j'avais pas pris le truc pour les boutons. Et voilà, il me fallait un truc parce que c'était vraiment énorme et je pouvais pas rester comme ça. Donc j'ai pris ça, enfin, ça a quand même marché, hein, faut avouer, pour les boutons. Mais je voulais aussi tester ça parce que Marc Garnier, c'est vrai que moi je prends tout le temps la Neutrogena pour le visage. Mais là je voulais tester Garnier, donc voilà. Donc c'est un gel désincrustant anti-point noir. Donc je trouve qu'il marche vraiment bien, c'est la troisième fois que je teste. Et aujourd'hui il faut que je le fasse, donc en fait ça se met... Je le mets sur le menton, sur le nez et sur le front parce qu'ils disent bien insister sur le menton, front et nez. Enfin, nez, front. Voilà. J'en mets pas trop là, mais je vais commencer à en mettre parce que comme ça au moins ça va enlever ça là. Enfin bref, laissez tomber, c'est grave. Donc voilà, je trouve ça super cool. Donc, alors attendez, est-ce que les prix, je peux vous dire que ça. Donc il m'a coûté 3,95€. Donc franchement, c'est pas cher du tout, mais voilà. Donc voilà. Et on va déjà passer au dernier truc parce qu'en fait si vous voulez je voulais vous montrer d'autres trucs. Sauf qu'en fait ils sont au sale, voilà, parce que c'est des habits du tout que je pouvais pas vous montrer. Donc j'ai été chez Primark en Allemagne, à Saarbrücken, franchement c'est trop bien. Il y a plein de magasins, le Primark il fait 3 étages. Chez en France, enfin chez moi il n'y a pas de Primark, voilà. Donc du coup bah, je suis trop contente et j'ai trouvé, donc j'ai trouvé des habits. Et j'ai trouvé un gel antibactérien pour les mains, voilà, on s'en fiche. Mais en fait je voulais trop vous montrer parce que... Enfin je sais pas, genre c'est trop beau, j'aime trop les gels antibactériens. Voilà, parce que tout le monde dit oh les meilleurs c'est les Merci Andy. Enfin voilà, alors que enfin Merci Andy j'ai jamais testé. Donc voilà, enfin j'aimerais trop tester pardon. Donc voilà, c'est écrit en allemand. Comment vous dire. Ah non, il est écrit en anglais aussi. Donc ça, donc c'est un gel antibactérien, voilà. Et en fait je trouve que quand... Enfin en fait des fois, enfin je le mets et je ronge mes ongles, c'est normal. Et je trouve qu'il a vraiment le goût d'un vernis pour arrêter de se ronger les ongles. Vous savez les vernis là, les vernis qu'on met là pour arrêter de se ronger les ongles, ça a le même goût. Et franchement, enfin, je sais pas s'il fait 201, mais je pense pas parce que ce serait marqué. Donc voilà, il est bleu et ça sent... Moi je trouve que ça sent la pomme. Ça sent la pomme. Ouais, mais ils sont super super bons. Franchement, voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé... Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous mettrai aussi mon Instagram sur l'écran et en barre d'infos. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Mon Instagram et quelques trucs sur moi, voilà, logique. Et je vous mettrai aussi ma dernière vidéo dans le petit i d'information qui est ici ou ici, je ne sais jamais. Donc voilà, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!